It's coming again. Naturel, deux fois par semaine, une fois le lundi, une fois le vendredi, à hauteur maximale de 2 kg de poisson par individu. Alors ça paraît très peu, il faut comprendre que les requins, comme beaucoup de grands prédateurs, ont un système digestif extrêmement ralenti. Ça va leur permettre de résister une longue période de jeûne entre une pêche et une chasse infructueuse. À l'écran, vous pouvez observer Clément, leur sommeil référent en train de mourir avec ce qui me semble être des tentacules de poulpe. Ils sont friands de cette nourriture. On va évidemment varier ce que nous leur donnons entre différentes espèces de poissons et de calamars. Alors vous voyez, il est nourri avec cette perche, leur cible, donc cette spirale noire et blanche au bout de leur perche. Comme vous avez pu observer, il n'y a pas du tout ces grandes effusions d'eau, ces grandes éclaboussures qu'on a tendance à voir dans les films ou séries à succès. Les requins sont des animaux relativement timides. Ils vont venir prélever leur nourriture pour aller ensuite la manger de leur côté. Alors l'intérêt pour nos soigneurs d'utiliser le target practice, ça va leur...
Il est là, madame. Oui, il est tout au fond. C'est lui que je t'ai dit. Ah, bah, c'est le parcours. Oh, il fait 13. Il fait 13. Regardez. Moi, c'est une sauterelle. Ça bouffe, comme tu dis. Ça peut être une sauterelle. Il y a un poisson là-bas. Ouais. Il est en bas.